Yo les potos, ça va ou quoi la famille? Vous avez la pêche ou quoi? Moi, j'ai la forme, regardez, je suis en train de boire une petite gros. On se désaltère pendant qu'il fait chaud, il n'y a rien de mieux. Non, ça va ou quoi la famille? Petite vidéo inédite, hein. Vous n'avez pas l'habitude de voir ça, pas beaucoup de me voir en vidéo comme ça, dehors ou dans la cour. Alors là, ça va être une vidéo inédite, c'est un nouveau concept sur la chaîne les frérots. Donc je sais pas si vous avez déjà vu, j'ai fait des vidéos des vacances l'année dernière où je les ai appelées mes vacances. J'ai fait une abrégation, je sais pas comment ça se dit. Je les ai appelées les MV. Après j'ai fait des petits épisodes sur la vie de Jetabouti, ces épisodes où je fais des activités où je sors dehors. Je les ai appelés les LVDG pour la vie de Jetabouti. Bah maintenant je vais faire des petites vidéos où que juste je parle devant la caméra. Parce qu'en fait les LVDG, ils étaient destinés à si je parle devant la caméra. Mais en fait non, je vais tout le temps dehors. J'ai tout le temps des activités. Et je parle pas devant la caméra. Donc là, ça va être un nouveau concept. Vu que je voulais faire des petites vidéos. Si jamais j'avais un coup de gueule à poser. Contre les croustilles battes parce que je les aime pas. Lui il me fait chier avec sa moustache. Je sais rien. Si j'ai un truc à dire, je peux le dire au bord devant la caméra en facecam. On est tranquille, c'est un facecam. Donc maintenant, ça va être une nouvelle vidéo. Je vais les appeler les facecam. Donc les FC, pourquoi pas. Genre, j'en ai marre des croustilles battes. FC, hein. Le béton c'est pas cool, FC2 tu vois, le béton si j'aime pas, tu vois, comme ça je gueule devant la caméra. Vous me dites si vous aimez bien ou si vous pouvez me trouver une petite abréviation, mais moi je pense que je vais les appeler les FC, donc cela ça va s'appeler les FC. Donc là comme ça je vous ai expliqué comment ça se passe. Là on va aborder un sujet, je vais essayer de la faire la boss papane. Si vous connaissez pas, faites un petit tour. Alors lui tu lui demandes de parler d'un sujet, il va te le faire pendant 15-20 minutes, il va te dire le bon, le mauvais, tout parfaitement. Moi je peux pas te faire ça, mais je vais essayer de te faire du boss papane. On se peut pas en rentrer dans moi. Allez c'est parti les frères. Petit FC numéro 1 les frérots, on va parler des sponsors. Vous y connaissez peut-être pas trop au niveau du gaming, au niveau des chaînes YouTube et tout, au niveau du sponsor. Donc on va parler du sponsor. Moi faut savoir que là en ce moment je crois que j'ai 18 000 abonnés. J'ai réussi à me choper un petit sponsor à partir de 5 000, 6 000 abonnés les frères. Alors faut savoir mon sponsor, je l'ai pas chopé en le charbonnant ou en faisant quoi que ce soit les sponsors. Attendez, j'ai un petit peu de soleil. Quand il y a du soleil qui arrive, je mets mes lunettes de Léon les frères, parce que sinon ça m'allume les yeux. Je sais que c'est du irrespect parce que je vous regarde pas dans les yeux. Et entre moi et toi, il y a une caméra, tu vois. Donc c'est pas physique. Donc je te montre pas de respect si je mets mes lunettes. JCVD hein. Allez, c'est parti. Moi j'ai chopé un sponsor, alors les frères, j'ai rien charbonné. J'ai fait mes lives, j'ai fait mes vidéos dans mon coin, mon sponsor, j'ai pas été sur Amazon dire tiens tu peux m'envoyer ici, tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est juste faites attention à votre boîte mail les frères, parce que vous avez mis une boîte mail dans votre chaîne YouTube ou qui est à la description. Bah ils vont souvent vous envoyer des mails. Moi un jour je me suis connecté sur ma boîte mail, j'avais reçu un mail il y a un mois et demi, deux mois. Bonjour, est-ce que vous voulez bien faire des vidéos? On vous envoie des produits, compte juste une petite pub et un lien dans la vidéo. Alors là moi je me suis dit ouais, tu me donnes des produits mon gars, il n'y a pas de problème. Tant que tu me donnes pas je sais pas des poubelles ou des graines à planter, je te prends tout moi. Gaming ou pas gaming, je prends tout hein. Je donne ma daronne, je donne au SDF, je donne un abonné, je vais tout donner, tout à besoin. Donc du coup j'ai regardé mes mails, j'avais eu un petit mail à partir de mes 6000, 7000 abonnés les frères. Alors je faisais pas beaucoup de vidéos facecam, hein. Je faisais beaucoup de live et beaucoup de vidéos gaming, je faisais pas beaucoup de facecam. J'ai reçu mon truc à 7000 abonnés, bonjour nanana. Du coup j'ai dit oui, mon premier sponsor c'était OK, si vous vous rappelez bien j'ai fait toutes les vidéos unboxing. OK, vidéo informatique. Premier sponsor d'ailleurs qui était super bien parce qu'il me disait vous avez le droit à deux produits de moins de 40€ par semaine. Alors là ma gueule, je te l'ai charbonné pendant un mois et demi, toutes les semaines je recevais des trucs. Hein. Du coup j'ai la dose de colis, d'ailleurs je vais péter un pont d'ici pas longtemps en vidéo. Vous avez vu, ça c'est des souris que je dois faire gagner. Une enceinte que j'ai vue. Tout d'OK les frères. Des claviers, des micros, des LED. Plein de trucs. Il me reste plein de trucs là-haut. Pas longtemps je vais faire une vidéo où je pète un plomb, je vais vider l'armoire. Je peux même plus mettre mes sapes à moi. Il n'y a que des boîtes, des trucs que je me sers pas. Parce que ça sert à quoi? J'ai 6 souris. J'ai qu'une main, frère. Puis j'ai qu'un ordi, de toute façon, c'est un peu bête. Puis j'ai pas besoin de 6 souris parce que moi je m'y connais pas dans le gaming, ni rien du tout. Une souris banale, ça me va moi les frères. Donc pour moi, mon premier sponsor c'était OK les frères. Faites attention à votre boîte mail, ça se trouve un jour ils vont venir vous voir. Il m'avait même envoyé un drone les frères. Ah ouais, un drone que j'ai envoyé en vrac d'ailleurs. Je vous ferai peut-être voir la vidéo inédite que je voulais pas sortir, mais envoyé en vrac. Il manque une hélice, tout, parce que vous savez que moi j'ai du mal à piloter des rien que dans GTA. Alors donne-moi un drone mon frère qui monte à 120 mètres de hauteur là. Je suis en train de regarder. Hop, il est parti en vrac mon frère. Je te ferai voir peut-être une petite image dans cette vidéo. Non, c'est après, ça va être fini pour ça. Après les frérots, j'ai rencontré mon petit monde loin. Chacal toxique. En fait, je vais vous parler de ça parce que j'ai eu un nouveau sponsor qui m'a envoyé un mail là, aujourd'hui même. Donc c'est pour ça. Chacal toxique, les frérots. Nouveau sponsor vêtements physique. Mounra, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Lui, c'est un gros poteau qui fait du rap et tout. Ceux qui connaissent le logo du crew dans GTA, vous avez vu.
Ils m'ont même donné des vêtements, les frères, pour quand je fais des lives, pour quand je fais des apparitions, quand je fais des vidéos, comme ça, ça fait un petit peu de pub. C'est ça que ça marche un sponsor, les frérots. Ça vous donne du truc gratuit, un, et en deux, c'est vous qui faites de la pub. Vous allez dire, ouais, ils vous donnent des trucs gratuits, ils perdent un peu de l'argent. Non, ils perdent pas de l'argent, les sponsors. Parce qu'en vous donnant des trucs, ils se font voir. Vous faites voir avec le produit. Donc automatiquement, ça leur fera de la pub. Si tout le monde se ferait voir avec des enceintes OK et tout, tout le monde y pèterait un peu, il dirait ouais, ok, c'est un bon truc, tout le monde en a. Tout le monde se ferait voir avec du NJ, tout le monde se dirait ça. Ah, NJ, c'est quoi la marque? Ils m'ont même donné des vêtements, ça, des blazers, ça c'est un gros manteau, les frères. Des pulls, j'ai des t-shirts là-haut, j'ai des kawaii même pour aller faire de la bécane et tout. Vous avez vu, c'est pas du mytho. Là, il m'a dit qu'il allait me faire une panoplie normalement. Ah, gros big up à eux. Chaque intoxiqué NJ, gros big up. Ça, c'est le deuxième sponsor que j'ai eu, mais ça, c'est pas un sponsor, on va dire, qui est là, qui fait juste que tu fasses de la pub comme OK ou quoi que ce soit. Là, c'est des frérots que je connais. Ils veulent qu'on se fasse voir, qu'on fasse de la pub, donc tranquille. Donc pour l'instant, deux sponsors. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu un petit mail d'un sponsor, les frérots. Donc je vais voir comment ça se passe. J'ai la pâteuse. J'ai la pâteuse, et puis t'as vu, moi, je te fais pas de coupage ni rien. Je te fais tout d'une traite. Pire qu'un awash, quoi. Moi, je travaille tout ça comme ça. Tu me passes une caméra, tu me donnes un sujet, une vidéo à faire, je te la fais d'une traite comme ça. Hop! Pas besoin de te faire des coupages ou des montages, des bruits d'explosifs, des flammes, des oh, AMG, Snoop Dogg qui danse comme ça. Je danse tout seul. Bon, on était à prendre des altérés. Ouais, je pars souvent en vrille. C'est pour ça que j'ai du mal à faire comme boss papa, de rester sur un sujet, parce que après je pars à droite à gauche. Voilà les parents, comme je disais par rapport au sponsor, faites attention à votre boîte mail. N'allez pas les charbonner, si vous allez les charbonner, vous allez être mal vu, vous dire, oh lui, c'est un crevard, frère, il nous charbonne, on me blacklisté. Sors le techo. N'allez pas charbonner les sponsors, faites attention à votre mail. Là, aujourd'hui, je me suis réveillé ce matin, j'ai regardé, j'ai reçu un petit mail. Bonjour, on a été voir votre chaîne, on aimerait que vous fassiez des vidéos avec nos produits et tout. Wow, j'étais content, mon frère, je suis, ah yes, troisième sponsor. Mais deuxième sponsor virtuel, parce que le sponsor physique, c'est Angel. Deuxième sponsor virtuel, mais troisième sponsor à presque 20 000 abonnés. C'est la classe quand même, gros. J'ai dit oui, je veux bien votre catalogue et tout. J'ai reçu un mail 2 heures après. Ok, donc on va vous envoyer le catalogue. Par contre, c'est du matériel cuisine, maison, luminaire et tout. On sait pas, les mecs. On peut dire, ouais, c'est de l'Adobe, il va pas nous faire un mixing de lumière ou je sais pas quoi. Peut-être dans pas longtemps, de toute façon, je ferai des tests de trucs de cuisine. Des trucs de dehors, en fait des tests de tout, des tests d'objets chinois, des tests de trucs insolites, mais ça sera dans une rubrique unboxing test, ça sera pas dans la catégorie de unboxing gaming, les frères. Je vais leur répondre, je vais leur dire oui, on va voir ce que c'est le lien. En pire des cas, je vais attendre cette vidéo là, je vais la travailler, je vais l'arrêter à la fin, comme ça à la fin je vais essayer de vous mettre une petite musique de 20 secondes de vidéo de Mondra, et je vous mettrai le lien du sponsor pour voir qu'est-ce qu'il propose. Et voir qu'est-ce que vous pourrez vous intéresser, parce qu'il faut savoir que tous les trucs que j'ai pris de OK, je vais vous les faire gagner, hein, c'est pas pour moi les frères, je les ai déjà fait gagner, j'en ai fait gagner plein, mais je vous les fais tous gagner, j'ai des souris, des claviers, des lumières, des trucs virtuels et tout. Comme ça, je vous mets le lien les frères, je vais attendre cette vidéo là, pendant 2 jours, comme ça j'aurai la réponse et le catalogue. Je vous envoie le lien, vous me dites ce qui peut être bien, ce qui peut être nul, comme ça je verrai par rapport aux commentaires, oh ça peut être cool, oh ça peut être bien, et vous verrez à quoi ça ressemble quand on a un sponsor. Donc en gros, ils t'envoient un mail, tu leur dis OK nanana, ils t'envoient un lien sur ton adresse mail. Et hop, tu reçois un catalogue, comme je vous mets le lien dans la description, et vous verrez, enfin dans la description, il y aura le lien Angel bien sûr, parce que lui c'est mon frérot, OK je sais pas, parce que bah il me boycotte. Ah, fait mal. Ah, descendre du coude mon frère. Je vous mettrai le lien du nouveau sponsor en attendant 2 jours qu'il me répond, s'il me répond pas au bout d'un jour, bah je le mettrai pas. Mais au moins je vous explique à quoi ça sert les sponsors. Ne pas se tromper entre partenaire YouTube et sponsor. Partenaire YouTube c'est pour monétiser tes vidéos, sponsor ça t'envoie des colis, et ça te... Tu leur fais de la pub. Ne pas se tromper les frérots. J'espère que je vous ai bien expliqué au niveau des sponsors. J'espère que je vais avoir des bons produits. J'ai hâte d'avoir le catalogue. Si c'est un catalogue sur les trucs de filles, bah, j'imagine je reçois un truc d'épilateur, cire, rouge à lèvres. Je sais que j'ai une belle bouche, mais bon, pour mettre du rouge à lèvres, ça va peut-être un petit peu pas. Bon, la famille, c'était le premier épisode du FC1 qui s'intitule Les sponsors, les frérots. Vous me dites comment vous avez apprécié, vous me dites comment je peux améliorer ça, parce que j'ai pas l'habitude de parler que d'un sujet et de rester devant une caméra. Vous me dites si c'est mieux de faire tout d'une traite, si c'est mieux de faire des coupages, que je fais quelques petits montages, genre quand je parle un truc, je fais voir le truc et tout. Vous me dites si ça vous va comme ça, là, juste je papote et juste je vous mets les trucs de quoi je parle en haut à gauche et tout, parce que j'ai pas l'habitude de faire comme ça, là, un petit débrief et tout. Faut savoir que voilà, moi, je suis pas chroniqueur, la famille.
Je suis qu'un simple être humain. Donc c'était le premier épisode d'FC les frérots. N'oubliez pas aussi de me dire pour l'abréviation si ça vous va FC ou pas. Épisode 1 qui s'intitule les sponsors. Grosse dédicace à Angel la famille. C'est des bons les frérots. Angel, Chaka Toxic, Mondrain, Eno Labo. Si la famille. Ok, grosse dédicace à eux aussi, mais du coup ils me boycottent, ils me répondent plus. Je ferai sûrement un deuxième épisode où je vais envoyer tout à mes abonnés, parce que j'en ai marre comme je vous ai dit. Je peux même plus mettre mes slips dans mon armoire. Je peux même plus mettre mes slips. Oh là là. Mes slips, comme dirait une certaine personne. Bonjour la famille. Dites-moi plein de recommandations dans les commentaires, ça pourrait m'aider. La prochaine fois, fais ci, fais ça. J'ai préféré le faire dehors, parce qu'on est tout le temps dans le setup. Si vous préférez que je les fasse dans le setup, mes coups de gueule, mes FC, je peux le faire dans le setup, mais vas-y, le setup, j'y suis toute l'année, frère. Il y a du soleil, je suis en Normandie, sur 365 jours, j'ai 320 jours de pluie, frère. Il n'y a que 45 jours qu'il y a du soleil, alors crois-moi que je suis dehors. La bonne terre, mon frère, la bonne terre, la bonne merde de Normandie. Allez, n'oublie pas de me dire des petites recommandations, ça m'aidera dans les commentaires. En tout cas, change pas, mon frère. N'oublie pas, nique les fast-food et arrête de boire du coca. Non, pas un doigt d'honneur à toi. Pas cool, ça. Couper au montage ou brouiller ça. Non, c'était un doigt d'honneur pour le coca. Et arrête de boire du coca mon frérot, parce que c'est de la merde. Et les fast-food c'est pareil. Bonjour les frères. Merci à vous d'avoir maté. Une petite gre-gre. Ça c'est la vie, c'est pas du coca ça. Ah quelle bonne lampée.